Docteur, je voudrais savoir, c'est quoi les produits qu'on pourrait manger pour maigrir? Je vais vous dire comment je réponds, mais d'abord, bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition et où on vous raconte jamais de salade. On aborde l'été, ça veut dire que c'est la période de l'année où on va chercher des aliments à la fois pour se faire plaisir, mais en même temps pour pas trop grossir. Je vais vous en présenter quelques-uns. J'aurais pu en prendre plus, mais là, j'ai choisi des aliments phares et je vais vous expliquer pourquoi. Il n'y a pas beaucoup de produits qui font mincir. Il y a des produits qui sont intéressants dans le cadre d'un amaigrissement, mais un produit qui fait maigrir, bah ouais, on en mangerait des tonnes et puis on serait content, on maigrirait. Non, c'est pas le cas. Mais par contre, il y a des produits qui sont quand même beaucoup plus intéressants. Il y a deux produits qui m'intéressent là-dedans. Il y a les sardines. C'est un produit qui est un peu oublié, je trouve qu'il n'est pas trop à la mode, que les gens n'ont pas pris l'habitude de consommer régulièrement. Vous voyez, c'est 4 filets de sardines, j'ai pris les filets de sardines parce que j'aime pas trop éplucher les sardines. Ça m'a coûté 1,50€, j'en avais pour à peu près 180 grammes, c'est la ration de protéines qui suffit pour un homme. 1,50€, c'est quand même pas comparable avec le prix du fromage, avec le prix de la viande. L'intérêt de ces sardines, c'est quoi? C'est un beau produit. C'est un produit qui est aux alentours de 130 calories et 100 grammes, ça dépend bien sûr de la variété. 2, il est riche en oméga-3, ça veut dire que c'est cette fameuse graisse qu'on vous recommande de prendre pour éviter les maladies cardiovasculaires, pour avoir un cerveau qui fonctionne bien. Et troisièmement, ça se prépare vachement bien quand c'est sur des planchas. Moi, je préfère la plancha au barbecue, que ça soit bien précis entre vous et moi. Quand je dis Marc-Antoine, tu mets les gambas sur la planche. D'accord. Marc-Antoine. La plancha, en fait, l'aliment, il cuit dans son propre jus. Alors que dans le barbecue le dessèche, le jus coule. Là, il cuit dans son propre jus. Ça donne un goût, un parfum qui est quand même meilleur. Voilà pourquoi je préfère la plancha, mais enfin, je vous laisse faire comme vous voulez. Produit pas cher, produit intéressant, maigre nutritionnellement, produit qui présente des avantages également santé. Et dernière chose, facile à faire au moment de l'été, ça se grignote. Ça peut même se manger froid. Je connais des recettes avec à l'escabeche, on dit un peu de vinaigre et de l'ail. Vachement intéressant. Les crevettes, alors bon, moi gros feignant, moi pas aimé décortiquer les crevettes. Je reconnais que les crevettes, c'est quand même meilleur frais. Mais là, j'ai pris des crevettes décortiquées, j'avais pas le temps de faire ça. J'ai quand même pris de l'agriculture biologique, on sait jamais, voilà. Vous avez vu le petit geste comme ça, on ne sait jamais. C'est-à-dire, c'est venu implicitement maintenant. À partir de maintenant, on fait des achats bio comme ça parce qu'on ne sait jamais. Alors qu'en fait, j'aurais pu acheter des crevettes conventionnelles. C'est un produit qui a un double intérêt. On peut faire une salade composée. Dans une salade, il faut des protéines. On n'est pas toujours obligé de mettre du thon ou du gruyère ou du jambon. On peut varier. On peut mettre des petits bouts de crevettes à l'intérieur. Ça peut faire une salade extrêmement agréable. Ça peut servir également à l'apéritif. Pareil que pour les sardines. Produit maigre, 88 calories pour 100 grammes. C'est un produit qui contient de l'iode. Cette fois-ci, pas des oméga-3 puisqu'il n'y a pas de graisse, mais il contient de l'iode. C'est l'aliment dont la plupart des Français sont en carence à l'heure actuelle. C'est celui qui fait marcher la glande thyroïde. Donc, ces produits intéressants, ça fait partie des aliments minceurs de l'été. Et là, petite surprise, j'ai pris de la feta. Je sais que je vais un peu à contre-courant des habitudes des gens, c'est-à-dire parce qu'aujourd'hui, la tradition dans les maisons, c'est tomate mozza. Ou alors après la mozzarella, on prend la tomate burrata. Ou alors on prend stracciatella. Tout le monde a pris l'habitude de faire ça. C'est vrai que c'est bon. Pourquoi j'ai pris la feta? C'est quand on regarde la valeur calorique de la feta, elle fait très exactement 276 calories pour 100 grammes. C'est-à-dire que pour 100 grammes, on est légèrement inférieur que la mozzarella. Mais je vous ferai remarquer quelque chose que vous devez savoir. Quand vous prenez une mozzarella, à moins de prendre une mozzarella de mauvaise qualité, c'est celle qui est dure, qu'on met juste pour la faire fondre. C'est une valeur calorique qui est aux alentours de 300 calories, mais vous avez remarqué que c'est humidifié. Donc quand vous prenez en réalité 100 grammes de mozzarella, vous avez un produit qui est relativement humide, donc ça veut dire qu'il est hydraté. Quand vous prenez de la feta, ce produit est moins hydraté, donc ça veut dire qu'il est beaucoup plus rassasiant. Donc quand je fais une salade et que je mets de la feta à l'intérieur, non seulement je mets un fromage qui est faiblement calorique, mais en plus je mets un fromage qui va me rassasier probablement plus que la mozzarella, qui s'accommode exactement de la même façon. Ça veut dire que ça se sert avec des tomates et ça se sert avec de l'huile et du vinaigre balsamique si vous avez envie, ou du citron si vous avez envie. Ça se prépare pareil, sauf que c'est beaucoup plus avantageux, moins calorique et plus rassasiant. Simplement, il faut choisir la bonne feta, il ne faut pas essayer de se planter. Moi, j'ai pris une feta. Ils disent que c'est original feta, mais en fait, c'est une feta avec appellation contrôlée. Ça veut dire que c'est vraiment la feta qui vient de la feta grecque. Donc, c'est la recette. Moi, je préfère flatter les produits. C'est la même chose pour nous. Nous, on sait faire le camembert. Eux, ils savent faire la feta. Donc, on mange le camembert chez nous, on mange la feta chez eux. Donc, produit intéressant. Grec, libanais, oriental, c'est un peu tout. C'est le tzatziki. Pourquoi ça m'intéresse? C'est un fromage frais avec du concombre. Il y a deux choses.
D'abord, il y a le concombre qui permet de diminuer la valeur calorique du fromage frais quand c'est du fromage frais. Ensuite, la valeur calorique du produit, 180 calories pour 100 grammes. Donc, c'est pas très, très compliqué. Ça peut servir à plein de choses. Ça peut servir à l'apéritif au moment de, à cette période de l'année. C'est-à-dire que quand vous êtes en été, ben, vous allez servir des bâtons de crudité ou des tomates cerises. C'est pas toujours sympa de manger que les tomates cerises. On a envie de les plonger dans une sauce. Ben, ça fera une sauce diététique. Le pamplemousse, c'est un produit minceur de l'été. Pas parce que ça brûle les graisses. C'est le genre de truc qu'on a fait croire aux gens pendant des années. Il y a un produit là-dedans, la bergamotine. En fait, c'est ce produit qui pose un problème pour l'absorption des médicaments. Donc, on fait très attention quand on prend du pamplemousse. Si on prend beaucoup de médicaments, on se renseigne auprès de son médecin. Mais pourquoi c'est un produit d'été? Faiblement calorique. 40 calories pour 100 grammes, c'est à peu près l'équivalent de son voisin. Deuxièmement, c'est des fibres solubles. Ça veut dire que c'est des fibres qui sont beaucoup plus digestes, beaucoup plus agréables que d'autres fibres. Donc, elles sont intéressantes pour avoir la ration de fibres dont on a besoin tout au long de la journée. Troisième chose, c'est un produit qui est riche en vitamine C. Et puis, on va trouver des petites, petites doses de vitamine A. Il a en tout cas une action antioxydante, ça c'est certain. On dit qu'il aurait une action anticancéreuse, mais c'est un produit d'été. Pareil, il s'accommode de plein de façons. Il peut servir de fin de repas en tant que dessert, mais il peut se présenter en début de repas sous forme d'un demi-pamplemousse pour ouvrir le repas. Il peut même se mélanger avec les crevettes. Vous voyez, ça sert les crevettes. C'est un incontournable, mais je vous le représente. J'entends régulièrement que la pastèque est plus intéressante que le melon. C'est faux! Le melon est aussi intéressant que la pastèque, c'est seulement 40 calories pour 100 grammes. Ça fait partie avec le pamplemousse, les fraises, de ces fruits les moins caloriques qui sont intéressants. Donc c'est un produit minceur. Pourquoi? C'est un produit super goûteux qui se mange en hors d'œuvre. Alors avec ou sans jambon de Parme, moi je trouve perso que ça n'a pas d'intérêt, mais bon. Des salades avec du melon et de la feta. Vous avez tous ces produits, je peux les recombiner si j'ai envie. Et il peut se manger également en dessert. Un demi-melon, là, comme le ça. Porto. Il y a quelqu'un, là, qui est en train de me dire avec du Porto, là-bas. Non, un demi-melon tout court. Voilà. Donc, un demi-melon en fin de repas, c'est sympa. Je voudrais finir sur une tonalité un peu originale. C'est vous parler des pommes de terre. Pourquoi je dis que c'est un produit d'été? C'est parce qu'on ne peut pas manger que des salades au moment de l'été. On a besoin d'un peu de féculents. On peut faire des salades de riz, par exemple. Ce n'est pas forcément très intéressant parce que le riz, il absorbe les matières grasses. Quand on fait une salade, on va mettre plus d'huile que ce dont on a besoin. On peut manger des pâtes, mais on les mange rarement froides, les pâtes. Par contre, les pommes de terre, je rappelle la valeur calorique, c'est 90 à 100 calories pour 100 grammes. Souvenez-vous, j'ai dit que c'était diète, le pamplemousse et le melon, c'est 40 calories pour 100 grammes. C'est 90 calories pour 100 grammes. Qu'est-ce qui plombe les pommes de terre? Vous le savez bien. Allez, c'est l'huile, c'est l'huile, c'est quand on les fait frire. Ou alors, si je fais des pommes de terre et que je les fais au four, c'est à crème fraîche. La crème fraîche, bien sûr. Et ben moi, j'ai une autre idée. Moi, les pommes de terre, je les fais en robe des champs. J'ai cuisiné mes sardines au gril. J'ai fait mes pommes de terre avec la même braise ou sur la même plancha dans des papiers aluminium. Je vais l'ouvrir et je vais pas mettre de la crème fraîche. Et ben tiens, je vais mettre du tzatziki quand je vous disais que ça servait à plein d'autres choses. Et là, je vais avoir un produit gratifiant, intéressant gustativement parlant. Et en même temps, je vais pas déborder en termes de valeur calorique. Donc, si je fais... Imaginons que je fasse un menu de l'été. Pamplemousse avec crevettes. Voilà, je vais couper mon pamplemousse en quartier, je vais le mélanger avec des crevettes, je vais mettre une petite sauce ou bien je vais les mélanger avec du tzatziki. Je vais faire mes sardines grillées, je vais prendre mes pommes de terre en robe des champs, je vais mettre encore un peu de tzatziki dedans et je vais couper mon demi-melon en deux et j'ai fait un repas de régime. À l'inverse, j'aurais pu modifier les choses, j'aurais pu prendre une salade de tomates avec de la feta, ou avec des crevettes, ou avec les deux. Moi, j'aurais pu mettre les deux. Hein. J'aurais fait ça. J'aurais mangé mes sardines grillées, ma pomme de terre en robe des champs, et soit mon pamplemousse, soit mon melon. Et là, je fais un repas qui est savoureux, mais qui est en même temps diététique. Il faut arrêter de penser diététique égale tristesse. Si vous pensez diététique égale tristesse, on est mort. Nous sommes en guerre. J'appelle... Tous, vous, moi, etc. Si la nourriture n'amène pas du plaisir, eh bien, on est condamné soit à vivre sous forme d'orthorexie, c'est-à-dire on va manger en comptant, soit à pas être gay, c'est-à-dire à trouver ça tristouné. La nourriture, ça doit rester un plaisir, j'y tiens absolument. Voilà ce que j'avais à vous dire. J'ai envie de dire, ne vous abonnez pas, ne likez pas, ne faites pas de commentaires, ne me posez pas de questions, ça suffit. Non, c'est pas vrai. Je vous dis pas ça, je vous dis abonnez-vous, likez, faites-moi des propales de vidéos, faites-moi vos commentaires. Et si vous avez des critiques, pourquoi pas? Tant qu'elles sont gentilles, je les accepte. À bientôt, les amis!